Je ne serai pas celui qui jettera la première pierre à ces filles de joie qui sous des airs débonnaires malaxent les orgueils des messieurs de passage qui par manque de galanterie déchargent leurs outrages à la face, à la gueule de celles qu'on nomme putain d'embourg ou d'ailleurs celles qui pour trois fois rien soulagent les écueils des bonhommes malheureux délestant leur bourse pour qu'on prenne soin d'eux. Marie-Thérèse tapine sur le port. Malgré le froid ou la gêne, il faut qu'elle vende son corps. Les enfants sont à l'école pendant que leur papa picole. De strass, de paillettes, encore moins de velours. Tout juste les odeurs de la sueur et du foutre de la veille dans un hall de moiteur. Les effluves s'amoncellent au nez, à la gorge et aux songes des enfants de putain ne tenant rigueur à leur mère qui revient. Le dos courbé, usé par une nuit d'échine, sous le regard amusé de passants anonymes. Trois fois trois têtes de haut se languissent sur le perron, dans l'attente de voir apparaître à l'horizon celle que d'aucuns ne jugeraient au sourire que son cadet lui fait. La valeur des souffrances d'une mère qui se soumet que d'écouter les railleries des gamins à l'école. Cruelle est l'infamie, les chérubins rigolent pour un oui, pour un non, pour un rien. Une histoire de vaurien qui dit que parfois mieux vaut être orphelin que d'être fils de putain ou de mari salope, me répétait mon père quand il fumait sa clope. L'histoire ne dit pas si Marie-Thérèse fera carrière longtemps ou si elle croisera sur sa route un doux prince charmant.